Et finalement, on y est arrivé dans la lande. En tout cas, c'est drôlement calme ici. La lande, moi je m'attendais à des fantômes, à un décor d'horreur. Eh ben non, que nenni. Que nenni, que nenni. Pauvre imbécile, tu vas l'avoir ton décor d'horreur. Quand mes hoodlums étaient triperons pour me récupérer. Allez, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Et on est parti pour Rayman 3, pour la lande aux esprits frappés. Donc comme j'avais dit précédemment, on va laisser les petits êtres de côté pour laisser place aux esprits. Ouh, un petit Matubu ici, parfait. Il est un petit peu discret celui-là. Bon là finalement, c'est parfait. Donc on a un esprit qui est là-haut dans une cache, on l'a vu dans la cinématique d'entrée. Donc on va aller le chercher. Donc, je m'en mets sûrement. Ok, parfait. Alors ici on a un autre qui est caché aussi. Voilà, parfait. Donc il y en a 7 je crois dans ce truc là, ou 10. Mon arrière petit fils. Ok, la caméra qui part en cacahuète. Du coup, Kit qui nous a looté, il est là, ok. Ah, parfait. On a droit à un petit pouvoir, donc ça c'est chouette. On va regarder combien ce qu'ils sont ici, les esprits. Ils sont 9, ok. Bon, j'étais loin du compte. Ils sont 9, donc on va essayer de les choper. Hein. D'ailleurs, je crois qu'il est même impossible d'en louper un, il me semble. Enfin, je sais pas. Ça fait quand même un petit temps que j'ai pas fait le jeu. Donc il y a des trucs que j'ai déjà oubliés. Du coup le pouvoir, je sais où il va, ça c'est pas un problème. Faut voir si on arrivera à y aller à temps en fait. Regarde les oiseaux, c'est incroyable. On va passer par ici. Hop là, parfait. Alors ça va ici, parfait. Donc on a notre deuxième esprit qui est là-bas, là-haut. Donc on va un petit passage dans la cascade, on va y aller après. Elle est contente, elle appelle au secours. Mais je peux pas aller plus vite là. Hein. Alors le passage dans la cascade, ça va tout simplement nous servir à aller chercher des prunes. Donc, il va falloir monter là-haut du coup pour avoir le missile donc, qui est juste là. Donc le lance-patate, comme j'appelle ça. On va chercher les graines qui sont là-haut et on y va du coup avec le lance-missile. On va pouvoir du coup aller chercher la cage. Donc c'est vraiment déjà la limite. Ça. Voilà. Il ne reste déjà plus que 3 à trouver pour avoir de la vie supplémentaire du coup. Alors, on va aller par là. On va aller par là parce que je crois qu'il y en a un ici d'esprit quelque part. Je sais plus où il est d'ailleurs le truc là. Où est-ce que tu es petit esprit? Je sais plus. Je sais qu'il y en a un qui est caché quelque part du coup. Enfin, on l'entend hein, d'ailleurs, il nous crie au secours mais je sais plus du tout où il est. Je crois qu'il va pas être par là. Il doit être un peu plus loin je crois, je suis pas sûr. Donc hop, on va récupérer le petit hélicoptère ici pour récupérer la prune qui va nous permettre de passer de l'autre côté. Vous allez voir après il y a un niveau qui est super beau aussi. Hé, dans la lumière, j'avais jeté un œil. Hé, non, à la réflexion, je vais plutôt y rester ici. Ok, bon, ramasse la prune, s'il te plaît. Voilà, merci. On est déjà à 4020 points. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. On devrait pas tarder à voir notre prochain niveau bonus. Alors, il vaut mieux se faire éviter de se faire toucher quand il y a des ennemis à proximité. Parce que sinon, bon, on risque de perdre notre prune. D'aller du coup la rechercher. Donc, on va la déposer. Okay. Alors, où est-ce qu'il est? Il est là. Voilà, parfait. Donc c'est tout des looms, hein. C'est tout des looms, ok, hop là, parfait. Voilà, du coup on a mis notre prune, on est content, hop, et on peut progresser. Ah, ça va faire de là tout le monde, aussi, hein. Doucement les gars. C'est bon, on réussit. On va aller chercher l'autre là-bas. Il devrait y avoir un petit être ici quelque part. Je sais pas où il est. Attends, je crois qu'il doit être en dessous de nous en fait. Je suis pas sûr.
Mais il me semble en tout cas. Parce que là j'ai pas de place pour faire passer le missile. Je crois qu'il est en bas. C'est toujours un problème avec ça. Je me fais toujours avoir ici en fait. Mais je crois qu'il est vraiment en bas. Je suis pas sûr. Parce que je crois que c'est la fin du niveau là en fait. Donc je crois qu'il est peut-être possible d'en louper un ou deux. Non, il doit être ici quelque part, je crois. Peut-être là-haut, il me semble. On verra bien. On va attendre que notre cher ami Globox nous fasse des petites bubules. Hop, moi je crois qu'on peut passer par ici. Hein. Il doit être là-bas, je crois, le petit être. Je sais pas. Je ne sais plus. Bon, l'autre, c'est la suite du niveau. Hein. Ouais, il doit être ici, je crois. Qu'est-ce que c'est que ça? Je me rappelle plus de ce truc-là, moi, dis donc. Je crois que je suis jamais passé en fait là-dedans. Est-ce qu'on peut passer par là? Non, je crois pas. non, je crois qu'il doit y avoir un petit être, mais qui est de l'autre côté, je crois. Je crois qu'il doit vraiment être de l'autre côté. Est-ce qu'on peut casser ça déjà? Pourquoi est-ce qu'il y a des petits êtres là-dedans? C'est très spécial ce truc. Moi je suis jamais allé je crois là-dedans. Bon en tout cas, on va récupérer un maximum de points. Allez s'il te plaît Evan, voilà c'est parfait. Ouais c'est parfait. Hop là. Bon il y a encore plein de trucs là. C'est chelou cette pièce là, mais vraiment. Hein. Vous voyez même après avoir fait le jeu... Et après l'avoir dans ma collection depuis, depuis pas mal de temps, je découvre des trucs que j'ai jamais fait. C'est bien. Hein. Il doit avoir un moyen de casser ça. Enfin, je crois pas, j'en sais rien. Je crois qu'à mon avis, c'est fait pour décorer. Je crois pas qu'on puisse casser. Ah, au moins que. Peut-être avec un pouvoir, mais je crois que c'est juste pour décorer, à mon avis. C'est très, très particulier ce truc là. Ils sont tout congelés. Ah pour part après. Hein. Bon bah allez on va à la suite du jeu du coup. C'est parti, on peut même pas. En fait Globox s'est fait tirer dessus mais comme il est sous l'influence du jus de prune, en fait il s'en fiche un peu. Ah oui si on va avoir un petit truc assez sympa, enfin. Un truc qui est sympa mais qui devient. Qui devient quand même un peu chiant à force de faire ça. Vous allez comprendre le truc. Donc on va avoir un mini boss assez spécial. Donc là, on a des ennemis volants qui sont là finalement. Alors, les ennemis volants, on peut les avoir que comme ça. Vas-y, on de côté. Voilà, ici, on a notre pouvoir du coup, vous comprenez. Hein. Et là, on va voir notre mini boss plutôt spécial, le truc. Vous allez comprendre. On va les comprendre tout de suite après. On va d'abord se contenter de grimper. Non, je crois qu'à mon avis, le petit Z, j'ai dû louper. Hein. Oh non, il est là. Ok, bon, bah finalement. Finalement, elle était bien ici en fait. Enfin, j'espère que j'en ai pas loupé un hein, quand même, parce que ça, ça m'embêterait. Je me fais toujours avoir avec le petit Z qui est ici. Voilà, alors lui, en libérant, il va nous débloquer tout simplement un. Bah notre petit boss qui va nous permettre d'avoir d'avoir un pouvoir. Et donc je suis en train de me demander si on peut quand même pas aller casser les trucs là-bas de l'autre côté. Bon, on verra bien, j'ai envie d'aller tenter. J'ai envie d'aller tenter, on sait jamais, ça peut être marrant. Et donc on est parti du coup pour le petit boss qui est juste là. Et du coup, voilà, le mini boss c'est notre chaussure. Donc alors pour l'avoir, il suffit tout simplement... de foncer dedans, voilà, tout simplement. Donc vous avez un mode turbo, hein, des chaussures avec un petit turbo qui dure pas très très longtemps, mais le but en fait c'est de faire autant d'empoideuses avec ça. Hop là, vous voyez la sa jauge de vie le truc. Après on pourra récupérer notre pompe, mais là pour l'instant on va se contenter de lui foncer dedans. Des fois c'est chiant parce qu'il est quand même assez fourbe le truc. Je sais pas contre ta propre godasse, mais c'est quand même assez fourbe, vous voyez qu'on peut facilement tourner en rond et l'esquiver sans le vouloir hein, du coup. Mais, non. Donc c'est amusant mais c'est parfois aussi chiant parce que après qu'il faut le faire deux ou trois fois ce truc là. Par niveau, hein, pas trois fois dans ce truc là. Mais il y a trois fois le même machin et c'est un peu chiant. Allez hop, file-moi ma godasse. Quelle idée aussi de faire ça, donc on a bien rapide ici. Hop là, parfait. Allez encore une fois et c'est bon. Parfait. Voilà, on a récupéré notre pompe du coup. Je crois pas qu'il est possible d'y aller là-bas, je doute vraiment. Désolé les gars, c'est moi qui ai... J'ai un gros doute sur... Non, je pense pas qu'on puisse y aller. Ça aurait été quelque chose, mais je pense pas qu'on puisse y aller. Bref, c'est pas grave.
Alors moi j'aurais essayé de tenter, mais c'est un peu trop court pour arriver jusque là. C'est pas grave, du coup on va monter vers la porte, hein, vers la suite du niveau. Putain, j'espère vraiment que j'ai tous les petits êtres ici. Enfin quoique après c'est pas dramatique. Hein. Ah bah parfait. Non, il y a vraiment pas moyen d'aller... Oula, j'ai loupé un truc là-bas je crois. Non. Je pensais que j'avais loupé un rubis, mais non. Ok, parfait. Donc c'est déjà la fin de ce niveau-là, donc on va vers le suivant. Let's go. Et on en a combien de pourcents là du coup? Waouh, 65%. Je crois pas qu'on a notre niveau bonus. Ouais, on est loin. Hein. 14600, on est très très loin. D'ailleurs, on va pas tarder à avoir un autre boss aussi très bientôt. Je suis désolé. Allez. Je suis désolé. Alors lui, on va essayer de le choper après, on va d'abord essayer d'avoir ça. Alors ça, les ennemis volants, c'est un peu chiant. Parce qu'ils sont assez... Enfin, il faut vraiment les bloquer en fait pour pas qu'ils fassent n'importe quoi. Donc on va essayer de bloquer... Voilà, parfait. Donc il y en a d'autres qui vont arriver, c'est pas fini. Il y a encore un petit esprit qui est là-haut. Donc on va le choper. Donc là, on a des espèces de ballons. Qui vont tout simplement exploser quand on va grimper dessus. Enfin, vous verrez après le délire, mais c'est pas mal. Ok, je me suis fait un peu toucher, c'est bien. Parfait, là je vais avoir mon premier mon autre pouvoir du coup, c'est parfait. Alors, on va avancer. Alors, pour le moment, j'ai pas encore mon deuxième pouvoir du coup qui va me permettre de rapetisser le champignon qui est là-bas. Du coup on va récupérer les petites graines qui est là. Au moins. Alors, peut-être qu'on aura quand même finalement le niveau bonus, il me faut à peu près une vingtaine de points. Enfin 20 000 points en tout cas. On verra bien. On verra bien. Du coup on récupère le grappin et c'est parti du coup pour faire du saut de ballon. Alors faut savoir que. Voilà, que les ennemis en fait volants, c'est compliqué de monter dessus parce que eux ils les font exploser, donc pour progresser c'est un peu chiant. Ne vous inquiétez pas, hein, ça revient les ballons. Ça explose et ça revient, ok. Donc, je pense qu'on est bon. Je crois qu'on va être bon. Ok. Donc là on vaut mieux éviter de faire l'hélicoptère avec les cheveux. Pour l'instant on peut se contenter. Sauf si on est vraiment trop loin. Mais ça passe quand même quoi. On va peut-être essayer avant de libérer le petit être, c'est d'aller récupérer. On va essayer de monter là. Ah parfait, c'est un sans faute, ça c'est chouette. Du coup est-ce qu'on a tout récupéré? Je pense pas, je crois que j'en ai oublié. Non, c'est juste un lanterne, ok, bon c'est parfait. Bon on va libérer notre cher ami, notre petit être. Oh, bientôt le dernier. On doit être à 4 je crois ici. Est-ce qu'on a 4? Je crois qu'on a 4. On a 4, c'est... Ouais, je sens encore compter, c'est chouette. Hein. Si j'ai peur, c'est pas pour moi. Oh non, les gars, vraiment, je suis ému. Ouais, je pense qu'il va falloir que je monte. Il va falloir que je monte la balle. Hein, que... Wow, oui, Globox. Si, à moins d'avoir la graine comme ça ici, je pense pas. Ouais, non, il va falloir que je monte là-haut. J'essaie de la choper. Voilà, parfait. Non, j'ai plus rien oublié, hein, je crois pas. Hein. Donc, on va libérer la zone ici. Voilà, parfait. Hop là, un en moins. C'est parfait. Allez, parfait. On va grimper là-haut avant. On va chercher les rubis qui traînent. Enfin, les gemmes, du coup. Et puis, on a fini cette zone. Donc, ouais, vraiment, je pense qu'il m'en reste encore 3. Donc, 4, 5, 5. Ça, c'est sur 9. Hein. Donc, il me manque encore 5 petits êtres. Alors, il y a un battu là-bas, je pense qu'on l'a vu. Tu sais que ton foie serait délicieux avec des fèves. Ouais, j'ai l'impression qu'ils sont. Ils sont oula. On y arrivera. Ils sont silencieux ici. Ah non, ok, c'est bon. Ah, on a entendu une tribelle. Et non plus une Mirabelle. Hein. Oula, qu'est-ce qu'on a. Il y a un truc là, j'ai vu un truc là-haut.
J'ai vu un truc là-haut. Ça a l'air en l'endroit dormir en fait, ça en fait. Je crois. Il me semble en tout cas. Alors, la tribelle, elle est là. Yeah, parfait. Parfait, parfait. Il y a que de la vie là-dedans? Non, c'est bon. Ok, le petit rubis. Alors, on a encore des autres petits trucs là. Elle a encore 10 000 points, je crois. Parce qu'il m'en manquait 14 000. Là. Donc, il m'en faut au moins 24 000 du coup pour le truc. Ok, alors on est bon. Il en reste une là. Et je pense qu'on a tout récupéré. Je passe en mode à la première personne. Ouais, je pense qu'on a tout récupéré. On est bon. Ok, bon, ben on y va pour la suite. Ok, donc un autre petit. Enfin, un mini boss, même pas un boss ici. Alors il y a un truc ici, ben, c'est comme. Oui, il arrive des petits. Donc ici, c'est la même chose avec. Enfin, c'est la même chose qu'on connaît déjà. C'est la dernière fois où je dois le toucher. Ouais, parfait. On est bon. Okay, donc on va attendre qu'il nous fasse des petites bulles pour monter. Et puis on sera bon, et puis on s'arrêtera. On s'arrêtera au prochain truc. Parfait. Hop, il nous fait des petites bulles, il est content. Hop là. Heureusement, on peut sauter dessus, c'est chouette. On va casser la tirelire ici, hop, on récupère un petit rubis. Et notre dernier petit être pour augmenter notre jauge de vie qui augmente. Faut que j'aille répéter mon billet toujours. Après, on va pas se mentir, c'est un peu du shit, hein, quand on arrive à ce stade-là. On va grimper par ici, avant d'aller à la suite, parce qu'il y a plein de trucs à faire par là aussi. Notamment récupérer des petites... des petites graines. Ah, par contre, faut aller très très vite avec ça. Allez, on a la grande. Ouais, est-ce qu'on aura tout? Je ne sais pas. Est-ce qu'on aura notre niveau bonus surtout? C'est ça le pire. Moi, j'aurais tout débloqué progressivement, mais on commence à tout débloquer. Donc, c'est pas mal. Allez. Il en reste encore quelques-unes. Ouais, ça va très très vite, hein, l'hélicoptère, donc c'est un peu le pouvoir qui s'enchaîne à grande vitesse. Oh, il y en a encore plein de graines, dis donc, je pensais que j'avais tout fait. Je pensais que j'avais tout récupéré. Mais non, bon, il en reste encore. Normalement, le truc, c'est que tu dois faire le tour quand tu arrives à bien contrôler Rayman. Non, tu dois tout faire en une ou deux fois. Il suffit simplement de bien faire le tour du truc. Mais bon, après. Bon, on a tout récupéré, c'est pas mal. Et donc, du coup, on va récupérer notre, notre pouvoir que notre petit être nous a laissé. Donc, le truc, c'est pour aller casser la porte qui se trouve là-haut. Le truc, c'est monter sur l'échelle et. Oh, le box, casse-toi. Ok. Et là, c'est encore un autre petit mini-boss, un truc qui met, c'est vous voyez, le génie en fait qui met un champ de force en fait sur nos ennemis. Donc le truc en fait pour l'avoir, c'est qu'il va falloir tout simplement se mettre au centre et taper sur peu importe quel haut de lune pour faire apparaître le magicien. Et du coup, ben... Ouais, parfait, donc le champ de force est éliminé, on va pouvoir... justement... Détruire, détruire les ennemis qui sont là. Ah ouais, c'est particulier hein, le truc. Plus on avance dans le jeu, plus on fait connaissance avec d'autres ennemis. Donc là, on a un monsieur qui lance des pompes. Je sais pas si on a d'autres après des génies. Pour l'instant, ici, on est tranquille. Enfin, des magiciens, des génies, appelez ça comme vous voulez, mais voilà. On va éviter de se faire. Alors on va se mettre ici, hop, le lance-patate, attention, ça c'est pour toi. Voilà. Donc nous on a réussi cette partie-là. Ah, ils arrivent en grand nombre, hein, ici. Donc, il y en a encore un qui est là. Hop là. Parfait. Ah, le lance-patate, ça one-shot. Donc ça c'est bien. Je vais vérifier s'il n'y aurait pas
petits êtres ici. Parce que bien souvent, il faut servir de missiles pour péter les cages qui sont en hauteur. Donc, apparemment, il n'y a rien. Donc c'est pas mal. Donc, on va se faire exploser ça ici. J'en ai pas besoin. Je vais attendre que ça sorte, parce que sinon, je vais lancer des missiles un peu partout. Voilà, parfait. Donc, on peut casser. Hop, les tirs d'ir. Ils existent. Je les ai vus. Il est complètement torché, donc le jus de prune s'est consommé avec modération, visiblement. Ici, normalement, je peux monter quelque part. Je sais même plus par où je monte. Ah oui, avec l'hélicoptère. Avec l'hélicoptère, bien sûr. Sinon, c'est pas drôle. On a 19 000 points, donc on aura pas encore notre niveau bonus, finalement. Quoique, rien n'est joué. Ouais, on s'arrête un peu juste, hein. Il manquait 14 000 points, mais comme j'en avais que 11 000, c'est un peu chaud. C'est un peu chaud. Et on est déjà à la fin du niveau. Je crois qu'il me faut 24 000 points en tout. Hein. Je suis pas sûr. Ah, il me manque 5 800, donc ouais. Il manque un peu moins de 15 000 points, donc ça va. C'est cool. Bon, écoutez les amis, on va s'arrêter là du coup pour cet épisode, sinon ça va être très très long. Surtout qu'on se rapproche de notre prochain boss. Un vrai boss cette fois-ci, qui est pas très très compliqué. Enfin, on verra ça. Du coup, ouais, il me reste 3 petits êtres à trouver. Enfin, 4 petits êtres plutôt. 4 petits êtres à trouver. Je pense qu'on va bientôt les trouver aussi. Donc voilà. Bref, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker et commenter. Et puis à vous abonner si vous le souhaitez. Et puis, ben, je vous retrouve très très vite pour la suite de Rematro. Je vous dis à très bientôt et salut à tous.